compositrice et musicienne. Et d'ailleurs, le premier morceau qu'elle va nous interpréter, c'est aussi un hommage à Tribute to Music. Vous l'expliquera mieux que moi, mais je vais quand même parler un petit peu d'elle. Elle, c'est la générosité, c'est l'humilité même. Son parcours, c'est incroyable tout ce qu'elle a pu faire. Elle a sorti des albums à Londres, elle a fait les premières parties pour des gens tels que Robin Thicke, tels que Incognito, tels que Tower of Power. Elle est là, mais la musique coule dans chacune de ses cellules. Elle a un timbre de voix, elle a chaque accade, elle a une espèce de droit comme ça. Rock and soul qui vous touche. Et cette sensibilité à la fois, quand elle chante, c'est toujours avec le cœur. Et ça va direct droit dans votre cœur. Mesdames et messieurs, du bruit pour Amel Tune. On va jouer comme ça, à deux. Alors, pour vous faire une petite genèse de cette chanson, je suis fan de Maxwell. Et un jour, Maxwell est venu à Paris. Il venait signer son album Embryo. Et je suis allée voir, j'ai attendu longtemps dans la queue et j'ai regardé dans la pochette de CD. Et au lieu d'y avoir marqué Maxwell comme l'écrivain de musique, il y a marqué Muse, M-U-S-Z-E. Et je trouve ça bizarre, parce que je savais que c'était lui qui avait composé les chansons. Donc j'ai demandé, mais c'est quoi Muse, c'est qui? Et il me dit, Muse is God. Muse, c'est Dieu. Donc j'ai décidé d'appeler cette chanson Muse. Avec un S-Z. Can we compare?
l'impression et Arnaud à l'ordre. Dieu n'a la voix et aucun nom.